première partie sur la notion d'individuation et son lien avec la question de l'état de droit. Donc voilà, j'essaierai de dire quelque chose de cela et bien évidemment définir ce que j'entends par individuation. Et bien évidemment, vous entendez par là même le fait de, non pas de critiquer, mais en tout cas de poser un vis-à-vis par rapport à l'individualisme. Premier point. Deuxième point, une deuxième partie qui est consacrée davantage à la question du pouvoir. Le pouvoir comme grande idole, comme grand théâtre social. J'essaierai d'expliquer ce que j'entends par le nom des pairs, P-A-I-R-S, venu se substituer au nom du père. Donc je dirais quelque chose de cela. Dire aussi, parler de, là dans le sillage d'Arendt, de ce qu'est la question de la banalité du mal, et vous dire pourquoi c'est lié, bien évidemment, à la question du pouvoir. Dire quelque chose du cas Eichmann, du cas Efferle. Efferle, c'est le pilote qui a lancé la bomba sur Hiroshima. Et c'est intéressant parce que voilà deux personnages clés dans notre histoire et qui se sont ressentis comme les chaînons d'un système plus grand qu'eux, sauf que l'un désavoue cette responsabilité et l'autre tente de l'assumer. Et ça le conduira d'ailleurs aussi à la folie, parce que la société refuse que Etterly reconnaisse sa responsabilité, parce que ça voudrait dire bien évidemment que la société doit reconnaître aussi la sienne. Et donc je reviendrai là-dessus, parce qu'il a fait, il est devenu totalement schizophrène, quoi. Et puis pour terminer, dire quelque chose de l'expérience de l'irremplaçabilité dans une question qui est la nôtre, souvent de manière moins historique, mais tout aussi fondamentale et intime, la question parentale, la question de l'éducation, l'expérience de l'irremplaçabilité au sens où devenir parent, c'est tenter aussi cette expérience-là d'être responsable et surtout d'offrir à son enfant la capacité de s'individuer, de devenir un sujet libre, parce que c'est aussi ça l'objet de l'éducation. Voilà. Alors, dans un premier temps, la notion d'individuation. La notion d'individuation, je ne vais pas faire une leçon historiographique de philosophie, mais c'est vrai que c'est une notion qui a son histoire. Vous la trouvez avec des interprétations différentes chez Durkheim, qui va parler d'individualisation et d'individuation. Vous la trouvez chez Jung, bien sûr. Elle est constitutive du corpus de Jung. Lorsqu'il dit « nous sommes d'un âge immense », voilà ce que c'est déjà. Simplement dire cette phrase, c'est déjà poser ce qu'est l'individuation. C'est-à-dire que pour précisément définir ce qu'est un sujet, il vous parle de tout ce qu'il y a autour. Nous sommes d'un âge immense, c'est-à-dire que nous sommes précédés, nous sommes suivis, donc nous faisons lien, et cette construction du lien fait que nous devenons sujet. Au commencement était la relation, si on veut dire les choses autrement. Donc, bien sûr, Jung, Simondon, dans un autre registre, avec comment le monde de la technique participe ou au contraire met en danger cette individuation, la question des objets, etc. Moi, j'ai tout simplement voulu reprendre ce terme dans un sillage que j'avais déjà commencé dans les pathologies de la démocratie. Les pathologies de la démocratie, je l'ai écrit il y a maintenant 10 ans et je reprenais... J'interprétais plutôt une équation tocquevillienne de ce que j'avais nommé à l'époque le travestissement des principes démocratiques. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Tout simplement que Tocqueville avait très bien vu que dans la société démocratique, ça dysfonctionnait
très démocratiquement, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une entropie, avec un E, un phénomène de dégénérescence structurelle à la démocratie lié à, quoi donc, l'homo démocraticus, cette chose que nous sommes. Et que fait-il, ce gaillard? Il fait qu'il transforme les principes démocratiques en passion. En tout cas, c'est un des points de dysfonctionnement, c'est cette transformation des principes en passion. Principe de la liberté, principe qui au départ est auto-responsabilisation, sens de la limite, capacité de limitation, et puis passion de la liberté qui peut confiner à un exercice de toute puissance. Principe d'égalité et puis passion de l'égalitarisme. Et c'est ces pages magnifiques de Tocqueville sur le fait que dans un système qui promeut, enfin qui est même construit autour de l'égalitarisation des conditions, puisque c'est une des définitions possibles de ce qu'est l'état de droit, mais précisément dans cet univers d'égalitarisation des conditions, dit Tocqueville, la plus petite inégalité blesse l'œil. Et donc en fait, vous avez... dans un phénomène qui promeut l'égalité, mais qui, non seulement indépendamment de la promouvoir, la crée, c'est-à-dire qu'elle est là, en fait, se crée, bien évidemment, en même temps, une frustration immense, un caractère insatiable, parce que, précisément, tout ce qui n'est pas totalement la même chose fait que ça crée chez le sujet, en tout cas, c'est la thèse tocquevillienne, ça crée chez le sujet une blessure narcissique forte, un désaveu, un désenchantement, que sais-je. Bon. Et en tout cas, une volonté égalitariste. Et puis, bien évidemment, principe d'individuation. L'état de droit est le seul régime politique qui se soucie de construire les conditions d'émergence d'un sujet libre. C'est son objet. Hein, c'est le seul régime politique qui s'intéresse à ça. Le souci de soi est un objet politique en démocratie. On ne définit pas jusqu'à la personne, la personne et la personnalité, non ? Ça, c'est du domaine de la liberté, mais en revanche, on crée les conditions d'émergence de cette possibilité de faire sujet. Donc, et puis l'individualisme, passion plutôt de l'individuation, c'est-à-dire on transforme l'individuation non pas comme faire lien avec les autres, faire lien avec le sens, faire lien avec l'avenir, faire cité d'une certaine manière, participer du récit commun avec son propre talent, sa créativité, mais l'individualisme comme passion pour soi-même, petite égocratie, repli, etc., etc. Donc, un travestissement. Donc là, dans Les Irremplaçables, c'est de dire, voilà, nous avons trop considéré que l'exhaustif, entre guillemets, la définition exhaustive de l'individu, elle est tenue par l'individualisme. Nous avons oublié qu'un individu, c'est aussi ce qui est issu d'un processus assez différent qui s'appelle l'individuation. Ça me permet de boire, pour le coup. Non, je peux... Deuxième gorgée, pour la peine. Donc... Donc d'abord, voilà, cette individuation. Alors pourquoi, et je reviendrai sur les trois principes que j'essaye de poser sur comment, d'une certaine manière, s'individuer, comment créer cette individuation. Mais le deuxième lien, c'est de dire, mais pourquoi, diantre, cette individuation est absolument fondamentale pour l'état de droit ? Bah, c'est vraiment là une chose tout à fait évidente, mais fallait-il peut-être encore le souligner. L'état de droit, nous faisons tous, si j'ose dire ces derniers temps, le diagnostic d'un état de droit qui met à mal les individus, précisément qui les considère comme remplaçables. Dans le monde de la finance, dans le monde du travail, premier grand territoire de la remplaçabilité des uns et des autres, de l'interchangeabilité des uns et des autres. Donc ça, c'est l'expérience, je ne parle même pas des sentiments de sa vie intime, des relations sentimentales, des relations qui peuvent aussi parfois donner le sentiment que, bon, on est très vite remplacé.
Il n'y a pas que l'univers économique qui donne ce sentiment d'hyper-remplaçabilité. Mais notre état de droit, censé normalement protéger l'individu, ces derniers temps, par son travestissement néolibéral, etc., au contraire, produit un sentiment, et pas simplement un sentiment, un véritable phénomène de désingularisation, de chosification, vous l'appelez comme vous voulez, de rationalisation, qui fait que précisément, nous avons ce que Christopher Lasch a pu appeler, nous rentrons dans une érosion de notre sujet. C'est-à-dire que nous avons le sentiment d'être niés chaque jour, niés par un délire de rentabilité, un délire de performance, un délire de non-sens, des valeurs falsifiées, etc. Et qui fait que petit à petit, pour résister à ça, il y a un phénomène d'érosion. J'avais essayé de l'expliquer dans La fin du courage. Parfois, il y a un clivage. D'ailleurs, on se clive, on se met en pilotage automatique. On se dit, bon, allez, je vais traverser. Je vais tout faire pour traverser. Mais on s'érode. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'érosion. Et on rentre dans ce que Christopher Lasch a pu appeler le moi minimal. C'est-à-dire que c'était son étude à partir des camps. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas dans des camps. Il ne s'agit pas du tout de dire ça. Mais il s'agit de voir quel type de déflagration sur le sujet se produisait dans des univers de concentration. Et là, dit Christopher Lasch, on est dans un moi qui est tellement en condition de survie que le moi en condition de survie, et nous, notre survie n'est pas bien évidemment aussi mortifère, mais notre condition de survie, elle est dans une précarisation forte, dans une déstabilisation profonde de nos univers de travail, de logement, avec tout ce qui fait que normalement on doit sécuriser un être et mis en danger. Et donc on rentre dans ce fait d'avoir un moi minimal. Sauf que le moi minimal n'est plus apte à produire de la solidarité. C'est ça en fait le grand danger. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer dans Les Irremplaçables, c'est que l'état de droit, lorsqu'il se met à détruire le sujet. En fait, il ne détruit pas simplement le sujet. Il s'auto-détruit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit sans la revitalisation par les sujets individus. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'état de droit, il faut qu'il y ait du souci de l'état de droit. Or, qui est porteur de ce souci de l'état de droit ? Les individus correctement individués, c'est-à-dire ceux qui sont devenus ou qui ont un sentiment d'avoir un peu de liberté et de possibilité de définition de leur sujet. Et donc, à partir du moment où vous détruisez le sujet chaque jour, vous produisez des moi minimaux, et ces moi minimaux, ils ne sont pas du tout dans un souci de faire advenir de nouveau l'état de droit. Généralement, ils se replient, ils basculent dans le ressentiment, si ce n'est dans le passage à l'acte. Ils veulent promouvoir des systèmes beaucoup plus xénophobes, beaucoup plus populistes, etc., etc. Donc, là, c'était de faire le ruban de Moebius, si j'ose dire, entre l'état de droit, sa capacité, ou plutôt son incapacité aujourd'hui à défendre le sujet, mais hélas, l'impact ne sera pas que théorique, l'impact sera réellement pratique, c'est-à-dire qu'au final, disparaît non pas simplement les sujets, et on se dit, bon, tant pis, d'autres sujets viendront et les remplaceront, non, précisément, disparaît la possibilité pour l'état de droit d'être durable. Et donc, à ce moment-là, l'individu n'est pas un obstacle à l'état de droit, comme on l'a souvent posé, à juste titre, encore une fois, parce que si l'individu est dans un système d'individualisme qui est aussi un travestissement de l'individuation, le moi minimal, c'est un travestissement de l'individuation. Le moi excessif, c'est un travestissement de l'individuation. Donc, des deux côtés, on a un phénomène d'atomisation mais de l'état de droit, mais pas pour les mêmes raisons. Donc l'enjeu, c'est comment on produit cette individuation. Et ensuite, comment au niveau collectif, on fait en sorte que, bien évidemment, l'état de droit ne détruise pas petit à petit le sujet. Alors au niveau individuel, j'ai essayé de définir dans la première partie trois figures du « connais-toi toi-même ». Je suis retournée
à cette question du connais-toi toi-même, d'abord parce que je l'avais filé dans les ouvrages précédents. Et puis, j'ai essayé de donner trois incarnations possibles de ce connais-toi toi-même. D'abord, de rappeler que le Gnotis et Autone, il doit se lire avec un autre adage qui est souvent oublié, qui est le Meden Hagan. Le Meden Hagan, en grec, ça, on peut le traduire par « rien de trop ». C'est-à-dire ce sentiment d'une mesure, d'une limite. Et c'était important pour moi de refaire lien entre le connais-toi toi-même et le connais tes limites. C'est-à-dire déjà de poser au cœur de l'individuation le manquant. À la différence de l'individualiste qui se croit sans doute autarcique et absolument autosuffisant. Là, pas du tout. L'individuation, c'est déjà comprendre que l'individu est manquant. Mais il est manquant, ça peut être considéré pour certains comme un vide immense, mais ça peut être aussi considéré comme une ouverture, comme précisément la conscience profonde que nous devons faire lien pour faire advenir quelque chose. Donc, déjà, le connais-toi toi-même du côté du « tu n'es pas monde ». L'individuation au sens où je ne suis pas passionnée par moi-même, mais je vais construire une assise qui va me permettre d'être présent au réel, au monde qui m'entoure. Et puis trois principes donc que j'avais posés dans mes ouvrages précédents, mais pas forcément en faisant lien. Premier principe: l'individuation passe par l'imaginatio vera. En latin, l'imaginatio vera, c'est là aussi un vieux concept qu'on trouve chez les Renaissants, qu'on trouve chez Paracelse, qu'on peut trouver ailleurs d'ailleurs, parce que l'imaginatio vera, c'est aussi toute la tradition philosophique de l'imagination agente, de l'imagination qui n'est pas séparable de l'entendement. Donc précisément pas l'imaginaire et ce qui nous fait fuir le réel, mais précisément ce qui construit le réel. Et l'individuation, c'était déjà se rappeler de ça. La porte d'entrée du réel, c'est l'imagination. Le réel est issu du possible. C'est pas le réel qui crée du possible, c'est le possible qui crée du réel. Vous avez un petit texte, par son quantitatif, si j'ose dire, d'Alain Badiou, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a tout de suite fait écho à ce que j'avais pu... à des choses qui me parlaient depuis Métaphysique de l'imagination et les différents ouvrages, et qui s'appelle, ce petit opus, « À la recherche du réel perdu ». Alors, pour la plaisanterie, vous savez que les éditeurs adorent ce jeu qui consiste à nommer un livre en utilisant les titres qui ont construit notre grand corpus littéraire. Et donc, ils aiment, mais en même temps, c'est pas tellement. C'est, quand on ne sait pas comment nommer quelque chose, on fait ça. Parce qu'on se dit, comment on va le nommer? Alors, moi, j'avais eu droit au Père Courage, j'avais eu droit à la recherche du courage perdu. J'aurais pu aussi. On me l'a proposé, j'ai dit non. Non, parce que la fin du courage n'avait pas du tout été retenue par d'abord les éditeurs l'éditeur et puis cette cohorte que vous ne connaissez pas qui s'appelle les responsables des libraires. Et ça, c'est très particulier. Je dis ça avec une immense estime, mais parfois, c'est pas simple quand Donc, à la recherche du réel perdu. Petit texte que je vous invite à lire, parce qu'il est posé cette maxime qui me paraît absolument déterminante au niveau moral, cet impératif, non pas kantien, mais badiousien, qui ne dit pas son nom, et qui est que le réel, ce n'est pas ce à quoi l'on se soumet. Voilà,
le réel, c'est la relation que nous avons avec le réel est une relation d'invention. Ce n'est pas une relation de soumission. La réalité sociale, le grand théâtre social, ce que moi j'ai appelé le nom des pères, ça, oui, vous soumettez, vous résistez, vous contournez, vous faites comme vous pouvez. Bon, voilà. Mais en tout cas, tout l'enjeu des irremplaçables, c'est précisément de ne pas se laisser confisquer la définition du réel par ce qui serait appelé le pouvoir ou par le nom des pères. Et donc, premier point, et qui bien évidemment l'imagination verra, elle nous construit, mais elle construit aussi notre rapport au réel. Donc, d'abord, un rapport d'invention. Deuxième principe, c'est le précium doloris, et là aussi j'ai écrit un livre sur ce sujet, pour rappeler à quel point penser, c'est agir. Alors que nous vivons dans un monde qui a tendance à dissocier les deux. Vous pensez, donc définitivement, vous n'agissez pas. Vous êtes avec les petits oiseaux ou à côté de la plaque. Bon. Vous ne prenez pas véritablement le risque de l'action. Au contraire. Là, c'était de montrer la radicalité de l'expérience de la pensée. Parce que bien évidemment, toute tentative de pensée est performative, c'est-à-dire que derrière, l'homme est d'abord un être pensant et c'est en plus un être parlant, c'est homo locens, c'est-à-dire que par la verbalisation, l'homme transforme les choses. Le réel est d'abord, bien évidemment, une construction du langage, mais pas au sens où, si vous voulez, on raconte n'importe quoi, c'est bien là tout le problème, si j'ose dire, mais... Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que dans le livre, cette lutte pour la langue, cette lutte pour la juste verbalisation que l'on trouve dans l'analyse, que je peux trouver avec mes patients, mais qu'on trouve aussi dans la littérature, qu'on trouve aussi dans le fait de partager avec quelqu'un une conversation réelle, de confiance. Donc, cette tentative de verbalisation, de ne pas se faire voler le langage, de ne pas être attrapé par la novlangue contemporaine qui nous vend un mot pour un autre, etc. Là aussi, c'est un enjeu considérable. Donc le précium doloris, par le fait que penser, c'est risquer. Oui, il y a une expérience de radicalité. Que si la douleur n'est pas toujours vérité, la vérité, elle, est toujours douleur. Qu'il y a une traversée. Et ce précium doloris, ça pourrait être aussi tout simplement le moment du négatif hegelien. Hein, c'est pas qui est un négatif, bien sûr, créateur. Et puis le dernier temps, qui est la vis comica, la force comique, où là aussi, comment, d'une certaine manière, pour créer cette individuation, comment sublimer la finitude, le manque, l'insuffisance, comment, lorsqu'on est dans un univers contraint, emprisonné, avec un sentiment minable de sa propre liberté, comment se décentrer, faire un pas de côté, s'échapper, mais s'échapper pour créer un autre espace-temps qui lui-même sera le lieu d'une insoumission possible et d'une possibilité de penser le réel autrement. La question de l'humour, là aussi, c'est directement, en tout cas je crois, une dynamique tout à fait importante pour préserver ce sujet de la soumission. Je lis là dernièrement, là qui vient de sortir, le Todorov, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle « Insoumis », qui est une collection de portraits. Germaine Tillon, Solzhenitsyn, Mandela, Snowden, enfin bon, toute une série de portraits pour dire précisément comment se crée au milieu dans les méandres et les contradictions de sa vie intime et puis en même temps de la nécessité de comprendre l'histoire, etc., comment se crée un parcours d'insoumission, un parcours d'action, d'engagement, pour précisément à la fois
résister, lutter contre la violence, mais surtout, ce qui est très intéressant dans le livre de Todorov et qui me paraît être clé dans ce qu'est la vraie insoumission au sens du de ne pas être sous tutelle. Voilà. Mais ne pas être sous tutelle ne veut pas dire dominer l'autre. Hein? Todorov le pointe bien, ne pas céder à la haine, ce qui est la chose la plus difficile. Et comment tous ces héros, tous ces hommes, toutes ces femmes ont lutté, parfois jusqu'à la violence, mais jamais en cédant à la haine et en essayant de penser un désarmement intérieur. Bon, et pourquoi je dis ça? Parce que Germaine Tillon, à Ravensbrück, donc dans le camp même où elle essaye d'échapper au fait de travailler pour les Allemands, parce qu'elle a vaguement, je ne sais plus ce qu'elle fait, elle est autrice de je ne sais quoi, enfin bon bref, donc elle se cache parce qu'il est hors de question de participer à l'effort de guerre de quelque manière que ce soit, mais enfin en même temps il faut rester en vie, donc c'est pas simple, il faut, bref, et qu'est-ce qu'elle fait? Bien évidemment, elle fait, vous le savez, elle écrit une opérette. Elle est au camp, elle écrit une opérette. Une opérette et tout, avec des girls qui doivent faire du French cancan. Et elle écrit ça comme elle peut, cachée par les unes, les autres, etc. Et elle le jouera même. Elle l'a raconté, bien sûr, des centaines de fois. Mais tout d'un coup, je relis dans le Todorov ce qu'elle dit de l'humour. Ou précisément... c'était mais une insoumission mais symbolique, parce que de fait ça n'a à l'instant T rien transformé, et pourtant bien évidemment ça a transformé, parce qu'elle dit voilà, ça a déconstruit mentalement l'horreur qui était en face, et tout d'un coup de victime nous sommes devenus actrices, alors qu'elles sont là décharnées et il faut faire le French cancan, enfin bon bref, c'est surréaliste hein, comme quand on y pense. Et là, elle l'a souvent raconté. Et elle disait, non, voilà, ça, cette liberté-là, de nous décentrer, d'en rire, de déconstruire la violence par l'humour, ben, ça, effectivement, ça reste, en dernière instance, notre liberté. Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, on est... Voilà, on ne fait pas le chemin plus fort de la résistance, etc. Et Dieu sait si elle l'a fait. Bon. Donc... ces trois imaginatio vera, precium doloris, vis comica, pour essayer de dire, tiens, voilà, quand on parle d'individuation, à un moment donné, il faut mettre en dynamique ces trois principes. Il n'y a pas d'ordre, mais il faut faire l'expérience de cette tentative qu'est l'imagination agente, qu'est le fait, le risque de penser, et encore une fois, qu'est le décentrement de l'ironie. Là aussi, grande histoire philosophique, que ce soit dans Jean Kélévitch, que ce soit le rire de Nietzsche, de Zarathoustra, que ce soit Bergson, enfin bon, grand sujet philosophique. Bon. Autre point important dans le livre, c'est le nom des pères. La déconstruction de ce qu'on appelle le pouvoir. Vous verrez, je ne vais pas développer ici parce que c'est un petit peu complexe, mais le pouvoir comme une religion continuée, au sens où le pouvoir n'est que l'autre nom d'un dogme. Et de la même façon que la religion tient par l'assentiment, le consentement, la soumission, en tout cas la croyance, le pouvoir tient par la croyance. Bon, donc à un moment donné, jusqu'où, là encore une fois, jusqu'où nous sommes consentants de ce simulacre? Ça ne veut pas dire nécessairement que nous pouvons nous passer du simulacre. Ça, c'est en tout cas une vraie question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre enjeu, c'est de ne pas croire que le simulacre est réel. Voilà. Le simulacre, c'est du semblant. Et ce semblant ne peut pas dicter notre individuation. Donc,
Ensuite, que l'histoire traverse des moments où, bien évidemment, il s'agit de faire ordre, d'utiliser tel ou tel pouvoir, etc., c'est encore une autre question. Mais nous ne pouvons pas être arrêtés dans notre individuation par le fait de nous soumettre à cette idole qu'est le pouvoir. Et notamment, j'ai repris, vous verrez, parce que j'avais oublié ce texte qu'on étudie surtout à l'école, qui est les caractères de la Bruyère. Et il y a des passages splendides sur la cour, sur le grand théâtre social qu'est la cour. Et bien évidemment, les cours se perpétuent. Hein. Il n'y a pas besoin d'être sous l'Ancien Régime pour que les cours existent. Et la Bruyère dit cette chose que je trouve fantastique. L'on est petit à la cour, même les grands y sont petits. C'est-à-dire que, véritablement, la cour ne rend pas content. Elle empêche qu'on le soit ailleurs. Donc c'est toute la vérité de l'aliénation sociale, si vous voulez, tout simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai attrapé. Un homme de la cour qui n'a pas un beau nom doit l'ensevelir sous un meilleur. Ça aussi, toute cette incapacité que nous avons à faire émerger non seulement notre nom, mais parfois en avoir honte, et puis à chercher l'apparat pour essayer d'être accepté, parce que bien évidemment tout ça part de bonnes intentions, la bonne intention d'être reconnu. C'est là où c'est tout un jeu très complexe, parce que le problème, c'est que quand vous mettez votre reconnaissance dans les mains du nom des pères, vous rentrez dans un phénomène qui a été très bien étudié par Axel Honneth sur les reconnaissances falsifiées, c'est-à-dire que vous êtes dans la main de cette évaluation et de la folie de cette évaluation. Mais en même temps, sortir de ce jeu-là n'est jamais simple, parce qu'il n'y a pas d'autre évaluation que celle-ci. Et donc sortir de cela, c'est ce que disait Tocqueville différemment dans De la démocratie en Amérique, lorsqu'il disait « voilà, la démocratie, elle ne tue pas hein. ». Elle ne fait plus ça, parce que c'est grossier, ça fait des traces. Donc non, elle organise la mort sociale. Donc en gros, si vous sortez du cercle de la pensée, hein, c'est le terme chez Tocqueville, bon, ben, vous serez sorti, ben, à ce moment-là, attention, vous serez banni. Bon, et on fait cette expérience sans cesse du conformisme dangereux, de cette absence de pensée qui ne dit pas son nom dans nos sociétés. Il n'y a pas besoin d'être en régime totalitaire, et ça Arendt ou Anders l'avaient très bien posé. L'état de droit, hélas, dans son travestissement, dans son insuffisance, fait également l'épreuve de l'absence de pensée. Bon. Donc, le nom des pères pour montrer que voilà, nous ne pouvons pas laisser au nom des pères la définition du réel. Et donc, c'est comment ne pas consentir à ce nom des pères. Donc ça, il y a toute une deuxième partie qui tourne plutôt autour de cette question. Et puis, il y a également dans le livre, je le disais tout à l'heure, bon, je passe un peu vite, hein, pardon, j'ai plutôt donné plusieurs pistes du livre qu'un point particulier. Il y a la question du cas, je le disais tout à l'heure, Eichmann, et du cas Efferle. Là aussi, j'ai essayé de définir ce qu'est être remplaçable. Le terme chez Arendt, c'est d'ailleurs ce que dit Eichmann, je n'étais qu'un rouage. Hein, donc c'est le refus de la responsabilité. Et d'ailleurs on voit que la justice, si vous prenez le tribunal de Nuremberg, mais même globalement, ce qu'est la justice en règle générale, c'est que c'est toujours un processus de resubjectivation. C'est-à-dire notamment à Nuremberg, c'est-à-dire de dire à l'individu qui vous fait face, mais de bien vérifier, mais où
avez-vous été sujet à un moment donné ? Donc il y a cette volonté de resubjectivation, même si en face on dit mais non, mais moi je n'étais qu'un rouage. Et c'est la phrase de Eichmann de dire mais qui j'étais pour soit empêcher, soit penser que ce n'était pas cela qu'il fallait faire. Et effectivement, quand vous êtes un rouage, vous n'êtes pas responsable. En tout cas, c'est l'organe. Mais tout le discours d'Eichmann est très compliqué, puisque lorsqu'on lui dit « mais pourquoi avez-vous fait ça ?», il faisait « je ne faisais que mon devoir ». Aïe, ça, ce n'était pas le mot à dire, parce que qui dit devoir dit conscientisation de quelque chose, dit réflexion, dit assentiment. Si c'était votre devoir, c'est que vous aviez conscience que c'était votre devoir. Donc, vous avez participé. Donc, il y avait du sujet. Vous n'étiez pas simplement un pilotage automatique. Vous n'étiez pas, absent. Vous avez consenti. Hein ? Donc, toute la question de Arendt, c'est pourquoi, jusqu'où consentons ? Pourquoi des individus, à un moment donné, refusent de penser la loi qu'ils appliquent ? Bon. Là aussi, bien évidemment, il y a toute une étude du cas Eichmann pour précisément continuer dans le sillage d'Arendt pour expliquer ce qu'elle a bien sûr théorisé au travers de la banalité du mal et bien évidemment de dire en quoi cette banalité du mal nous enseigne quelque chose des situations contemporaines. Et je crois qu'une des leçons d'Arendt, c'est précisément de comprendre que ce que nous avons cru comprendre, en fait, nous ne l'avons pas appris. Je crois que c'est ça, une des manières de comprendre la banalité du mal. C'est-à-dire, précisément, l'horreur n'a pas eu lieu. L'horreur a lieu. Il n'y a pas un passé. C'est pas posé derrière nous, cette chose-là. Ça a lieu, ça aura lieu. Et c'est ça qui est terrible dans la question de l'horreur, parce qu'elle est intimement liée à la question de l'absence de pensée et à la question du manque du sujet. Bon, donc, le cas Etherly, qui est moins étudié, il y a eu une très grande correspondance de Etherly avec Günther Anders, mari de Arendt par ailleurs. Et Anders s'est intéressé à Etherly pour comprendre précisément pourquoi, à un moment donné, Etherly avait fait ce qu'il avait fait, bien sûr, et surtout après, comment il avait construit une critique de cela et comment, je l'ai dit tout à l'heure, la société avait fini par l'enfermer pour précisément empêcher l'avènement de cette responsabilité. Mais toute la correspondance d'Etherly montre comment il accède à cette vérité de la responsabilité et comment prendre sur lui seul cette responsabilité, en fait, l'emmène jusqu'à la folie. Mais au minimum, ces deux cas très compliqués, parce qu'on se dit, mon Dieu, si soit le choix, c'est la responsabilité nous emmène à la schizophrénie, soit c'est dans le déni de la responsabilité. Non, bien sûr que non, c'est deux cas limites, mais pour nous montrer deux manières d'attraper cette question du remplaçable et de l'irremplaçabilité et donc de la responsabilité. Dernier point avant de converser avec vous, il y a une troisième partie qui est plus sur l'éducation, sur la fonction parentale, sur ce premier grand territoire de l'irremplaçabilité, à savoir la relation parent-enfant. Dans le livre, il y a aussi des passages sur une autre expérience de l'irremplaçable, qui est celle du deuil. Il y a à la fois l'irremplaçable dans... en tout cas dans le territoire collectif, et puis il y a l'irremplaçable dont on peut faire l'expérience plus intimement. Donc la question du devenir parent, du faire famille, j'ai fait pas mal de pages là-dessus. J'ai préféré d'ailleurs dire le faire famille que la famille, parce que je voulais axer sur la plasticité de la famille, et là aussi sur le fait que faire famille,
c'est d'abord avoir l'ambition du symbolique et pas suivre la normalisation de ce qui nous est proposé. Une famille, c'est ainsi, et puis c'est pas comme ça. Bon. Non, tous ceux qui ont l'ambition du symbolique, de la transmission, etc., ils commencent à faire famille. Mais ensuite, il y a aussi d'autres grands invariants pour faire famille, et notamment un invariant, je pense, important, et je dis ça par rapport à la multiplicité de ce qui fait famille aujourd'hui, et qui réinvente les chemins du symbolique, le faire famille au sens où ceux qui sont présents sont garants des absents. Le faire famille, c'est toujours le plus un. On ne fait pas famille seul. Et à ce moment-là, ceux qui sont présents sont garants symboliquement ou physiquement des absents. Parce que faire famille, c'est, en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de le penser, c'est être l'enfant de ce jeu permanent, de cette dialectique entre le même et la différence, entre l'absence et la présence, etc. En tout cas, ce qui n'est pas moi. Et ce qui n'est pas moi, symboliquement, il faut que je puisse, à un moment donné, l'avoir autour de moi, si je ne l'ai pas physiquement. Donc, des passages sur qu'est-ce que devenir parent et comment, bien évidemment, le devenir parent participe grandement de l'individuation, bien sûr. Parce que c'est un grand territoire de découverte de sa propre individuation. Le moment où on essaye de transmettre à un autre que soi, son enfant, les capacités de s'individuer. Généralement, on fait un retour sur sa propre individuation très directement. Il y a là aussi des passages sur un texte que vous connaissez peut-être, c'est un professeur actuel qui s'appelle Shane Gold, et qui a écrit beaucoup sur les vies traumatiques, mais au moment de l'enfance, c'est-à-dire le danger, bien évidemment, le drame que peut être un traumatisme vécu au moment de l'enfance, parce que précisément, mettant en danger la capacité d'une individuation plus tard chez cet enfant. Bon, ce que d'autres appellent la capacité de résilience, etc. Et Shane Gold a une expression magnifique, il dit le meurtre d'âme. Voilà. Bon, ben, bien évidemment, être un parent, c'est l'inverse. Être un parent, c'est tout faire pour transmettre à son enfant une force d'âme qui fait que, précisément, il aura la capacité de s'individuer. Et puis, j'ai traité également de toutes les dérives de l'irremplaçabilité. Voilà, c'est-à-dire en gros, dire quand même un mot du contresens qu'il ne faut pas faire sur l'irremplaçabilité. Tenter l'aventure de l'irremplaçabilité, ce n'est pas du tout penser que l'on est irremplaçable au sens d'indispensable. Ce n'est pas une expérience de mégalomanie, et d'autosuffisance qui nous rappellerait celle éventuellement d'un individualisme forcené. Et je donne deux exemples littéraires, mythiques, dans le livre d'une pathologie de ce que pourrait être le sentiment de ne pas vouloir être remplacé parce que je suis irremplaçable. Deux figures, une figure féminine et une figure masculine. Une figure féminine, c'est la figure de Médée. Et une figure masculine, mais il y en a d'autres, c'est la figure de Cronos. Dans les deux cas, c'est une impossibilité de céder la place. Et c'est terrible parce que Médée, si vous vous souvenez, c'est médomai en grec. Médomai, c'est méditer. Médée, c'est sans doute au départ la plus apte à faire une juste individuation. Donc, je veux dire, Médée, c'est vraiment terrible, hein, l'archétype de Médée. C'est terrible parce que c'est celle qui a tout pour faire la plus juste des individuations, celle qui médite, c'est celle qui détient la magie. Donc, en plus, elle est aussi dans à la fois l'imagination vera, l'invention, etc. Med, la racine, c'est la médecine, c'est le soin.
Donc c'est tout ça m'aider. Et au final, quand vous relisez les textes de Sénèque, où elle dit « va jusqu'à l'horrible », et l'horrible, c'est le fait de tuer ses propres enfants. Pourquoi ? Parce que délaissée par Jason, délaissée par celui à qui elle pense avoir tout donné, mais si elle a donné, c'est qu'il n'est pas dans l'obligation de lui rendre. Mais non, Médée déploie sa vengeance. Et bien évidemment, là, c'était une manière pour moi de dire on n'est pas du tout dans cette folie de se croire indispensable. Et Cronos, c'est celui qui mange ses enfants, bon, là encore, incapacité de laisser derrière soi quelque chose, et incapacité aussi, on peut faire un jeu de mots sur le chronos. Chronos, c'est R, mais c'est aussi, dans notre oreille, chronos, c'est H, c'est-à-dire le fait de faire tant. Et précisément, c'est celui qui n'arrive pas à aller dans la transmission. Le temps étant là aussi une question très étudiée dans ce texte, puisque de la même façon qu'il y a, je crois, une bagarre pour la langue, il y a une bagarre pour le temps dans notre monde aujourd'hui. Au sens où avoir la définition du temps, ne pas se faire voler son temps, ne pas être dans le sentiment que précisément nous n'avons le temps de rien, et encore moins de notre individuation, que c'est pas un sujet, là aussi c'est une démarche permanente de lutte. Et je rappelle simplement que et ça vous l'avez chez Anders notamment, ou d'autres de bord dans la société du spectacle, c'est-à-dire tous ceux qui ont défini comment il y avait un travestissement majeur de ce que l'on appelle le loisir, comment ce loisir, c'est très pascalien, hein, le divertissement, hein, comment ce divertissement est précisément là pour nous divertir de notre capacité d'individuation, et on se met en pilotage automatique d'un loisir qui est en fait, dit Anders, un loisir forcé au final, parce que on ne transforme rien de ce loisir. Mais là encore, loisir en grec, c'est la scolée. Et la scolée, c'est la racine aussi de ce qui fait école. Donc, bien évidemment, le temps propre, définir son temps propre, le temps qu'on garde pour soi, le temps pour définir cette individuation qui est bien évidemment le temps de la contemplation, le temps de la pensée et donc le temps de l'agir politique à terme. Merci encore de votre présence, de votre attention.